Et salut à tous, ravi donc de vous retrouver pour Monaco, donc un sixième manche du championnat du monde, et avec bien entendu un tracé urbain particulier hein, qui fait partie quasiment intégrante du championnat du monde de Formule 1 depuis 1955 avec Monza. Un très grand prix donc que tout pilote rêve de remporter, c'est vraiment la course dans le championnat. Plus petit tracé aussi du championnat, très compliqué avec vraiment les rails très proches et vraiment une voiture qui doit être réglée à la perfection pour arriver à faire un chrono donc avec une seule zone de DRS où il va être vraiment très compliqué de dépasser. On le sait, cette zone de DRS se situe vraiment sur le côté pit lane des stands avec un tracé donc très court. On revoit donc avec le meilleur temps de Kimi Räikkönen pendant les essais libres, suivi d'Hamilton et de Vettel. Les Mercedes omniprésentes hein, tout le long du week-end, mine de rien, qui ont vraiment la charge de revanche ici. Après aucun Grand Prix gagné et vraiment une saison dominée par la Scuderia Ferrari. Donc avec un Grand Prix de Monaco donc, qui va se courir sur le sec avec une météo assez chaude. Et on va revoir le tour de Sébastien Vettel donc, pendant la qualification avec Hamilton qui a saisi le second temps. Donc avec la montée de Saint-Devot. Et on va arriver ici au casino, passage en 4, on relâche rien, passage en 3, très compliqué à gérer ici, on va se décaler pour éviter la bosse, et redescendre sur Mirabeau. On arrive ici, passage en première ou en deuxième, ça dépend de la gestion de la boîte de vitesse, boîte 8, très compliqué dans Monaco. Le portier, avant de se relancer dans le tunnel, pleine puissance. Le tunnel qui fait partie des virages hein, qu'on prend le plus rapidement du championnat du monde. Le plus rapide est celui de Sochi, numéro 2 il me semble. La chicane du port avant d'arriver ici au tabac. Je vous cache pas qu'avec ce G27, Monaco est un vrai enfer. Franchement, ça a été, moi qui aime ce circuit, ça a été très compliqué. J'ai passé un très mauvais moment à conduire sur cette course. Le G27 ayant aucune précision avec F1 2015, eh bien conduire sur un tracé comme Monaco où il faut aller frôler les rails pour essayer un maximum de gagner du temps, ça a été impossible quasiment. Et donc la pole pour Sébastien Vettel au terme d'un tour absolument parfait, hein, où on l'a vu dans le troisième secteur sortir très fort d'Anthony Nogues, la rascasse. Donc un temps excellent avec donc bien entendu Vettel en pole, suivi d'Hamilton, suivi de Rosberg et suivi de Raikkonen. On voit les pneus pour ce week-end avec donc les super soft, les soft et bien entendu intermédiaires et pneus pluie. Sachant que les deux pneus ont exactement la même durée de vie, sachant que c'est un circuit qui ne consomme pas beaucoup de gomme, avec une piste très peu abrasive, on aura une fenêtre autour du 9e ou 10e tour. Avec la plupart des pilotes qui ont réussi, qui ont voulu s'élancer avec les super soft, sachant que la performance entre les deux est quasiment inexistante sur la course en situation, eh bien, une stratégie décalée ne permettrait pas vraiment de réaliser un exploit. Alors qu'on le voit dans ce top 10, Jenson Button encore une fois devant Alonso, Felipe Nasser a réussi une très belle opération. Massa, Bottas, Raikkonen, Rosberg, suivi de Hamilton et de Vettel pour la pole. Ça promet d'être très chaud à Saint-Devot, sachant qu'ici le freinage de la ligne de départ au freinage c'est très court. On va suivre Sébastien Vettel, donc pas de point de patinage ici. Excellent départ, ça patine pas trop et Hamilton, on le voit, hein, de suite à l'attaque. Ici c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités pour un départ. Et on a vu les pilotes qui se sont très bien respectés. Et de suite un Vettel qui a pris l'ascendant et Hamilton et Rosberg qui collent immédiatement. Et on a vu derrière déjà Bottas un peu lâché qui a pris le meilleur sur Kimi Raikkonen qui a pas pris un excellent départ, on l'a vu un peu patiner. Et on va immédiatement revoir ce qui s'est passé pour ce départ, très bon départ donc de Sébastien Vettel. Il a de suite pris le meilleur sur Lewis Hamilton, très bien placé. On voit ici la voiture qui bouge à droite à gauche. Il s'en est plein, hein, le pilote allemand, notamment au point de freinage ici. Et on voit Hamilton aussi qui a pris un excellent départ, mais hélas, à Monaco, ça freine de suite après. Et il n'y avait pas d'opportunité pour lui. Rosberg aussi. Rosberg qui avait peut-être une meilleure carte à jouer que Lewis Hamilton. Mais lui aussi a été très prudent. Kimi Räikkönen, on l'a vu, mauvais départ donc. Le pilote finlandais qui s'est fait subtiliser par son compatriote. La quatrième place, ça va être très compliqué pour lui. On sait, Monaco, c'est un Grand Prix où il est très difficile
eh bien, de doubler. On pense que à chaque fois ça va être l'undercut, hein, c'est vraiment à chaque fois c'est dans les stands que Monaco se joue. Et Romain Grosjean également, qui avait pris un très bon départ sur Daniel Ricciardo, et puis qui finalement a dû se résoudre à lui rendre la place. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place à Monaco. Et on voit donc les intervalles avec Hamilton et Rosberg qui suivent Bottas déjà un peu en retrait. Massa également, Grosjean, Nasser, Button, ça n'a pas trop bougé dans le top 10. Alonso, Hülkenberg, Perez, Maldonado, Verstappen. Et Sainz qui a encore une fois très loin, hein, le pilote russe sur la Red Bull. Quel dommage de ne pas avoir gardé un certain Jean-Éric Vergne. On aurait bien aimé voir un peu comment le pilote français se serait déboulé dans cette top team. Lui qui avait battu Daniel Ricciardo, hein, au nombre de points. Et c'est pourtant Daniel Ricciardo qui a tenu la corde pour être remplacé chez Red Bull il y a 2 ans de ça. C'est bien dommage. On aurait bien aimé voir Vergne à la place de Kiat. Alors que devant, eh bien, ça y est, le trou est quasiment fait, hein, avec les trois pilotes de tête. Bottas qui ralentit un peu Kimi Räikkönen, hein, mais à Monaco, c'est clairement le jeu. Et on l'a vu, les Mercedes qui sont bien plus en l'aise sur les situations de course, pardon, avec les super softs. Et là, Sébastien Vettel qui a eu du mal, hein, à sortir d'Anthony Noguès. Et puis c'est Lewis Hamilton. Et malgré le moteur Mercedes, les chevaux en plus, la vélocité de la voiture, à Monaco, il est très compliqué de dépasser. Même malgré le DRS. Et on sent Vettel un peu à l'agonie, hein, en ce début de course. Clairement, le pilote allemand qui n'arrive pas à faire la différence sur les deux pilotes Mercedes qui sont vraiment à l'affût. Sébastien Vettel qui le disait, hein, tout le long du week-end, une voiture instable au freinage. Alors qu'on retrouve Kimi Räikkönen qui, eh bien, s'est fait subtiliser sa 4e place au profit de Valtteri Bottas et qui maintenant, eh bien, est derrière lui. Et ça va être très compliqué à le doubler parce que la Williams a l'excellent moteur Mercedes, très performant en ligne droite. Donc il suffit que Bottas accélère fort à chaque sortie de virage. Et puis ça va être très compliqué pour Räikkönen. Il va falloir faire un temps très propre et voir si la dégradation des pneus va permettre de rester un tour de plus en piste ou tout simplement de rentrer un tour plus tôt que Bottas. Là sera la complication. Et à Monaco, on sait que l'entrée au stand est tellement rapide que le pilote plonge au dernier moment. Du coup, calculer que la personne devant rentre pas en même temps que vous, c'est très compliqué. Et Kimi Räikkönen donc, eh bien, qui perd en plus du terrain. On voit que Rosberg est en train de s'éloigner devant et que Bottas le ralentit clairement. La Ferrari bien plus performante en ce début de championnat que la Williams, il n'y a pas photo là-dessus. Et on retrouve Daniel Ricciardo lui aussi derrière Felipe Massa. Et c'est Romain Grosjean qui a marqué le pas, hein, également sur le pilote australien. La Lotus, hein, qui a vraiment ses circuits, hein. Elle a du mal à fonctionner. À certains moments, fonctionne très bien à d'autres. Daniel Ricciardo, on le répète, hein, qui porte vraiment cette écurie à bout de bras. Hein. Kiat n'apporte absolument rien depuis le début de la saison. Et 300 centièmes séparent Felipe Massa, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, exactement pareil. Hein. Le moteur Renault n'est pas du tout à la hauteur du moteur Mercedes et ne lui permet pas à proprement parler de rivaliser à un niveau ligne droite. Il va falloir patienter derrière Felipe Massa. Alors que c'est Jenson Button et Felipe Nasser qui ont réussi à revenir sur Romain Grosjean qui est en difficulté, hein, dans ce début de course clairement. On les a vus en grande difficulté en Espagne, les Lotus, où elles ont dégringolé dans le classement. C'est pas une voiture qui est faite pour rouler sous la pluie. Et bien là, Romain Grosjean qui est encore une fois à l'agonie avec les pneus super soft. Il avait répété, hein, le pilote français, vraiment, on a eu des voitures qui ont très bien fonctionné avec les super soft. Et donc vraiment, vous le voyez, ces trois pilotes sont dans un mouchoir de poche. Et Jenson Button et McLaren, hein, qui font un début de saison plutôt intéressant, hein, par rapport à ce qu'on avait annoncé. On leur prédisait vraiment l'enfer. Et les Toro Rosso également, qui sont relativement loin dans le classement. Verstappen et Sainz qui se sont bien battus, même presque devant les Red Bull, hein, en Espagne. Et bien là, sont en fond de classement et c'est Roberto Merhi qui est derrière et qui essaye de tenir le train des deux pilotes Toro Rosso, qui ne sont absolument pas à la fête. Ici à Monaco,
c'est un circuit très compliqué, on sait, hein, les réglages de la voiture sont très importants. L'utilisation des gommes aussi, et puis eh bien, également le pilotage, hein. C'est encore un circuit où le pilote a une partie majeure vraiment pour faire fonctionner sa voiture. On sait, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost également, Graham Hill aussi, qui font partie donc les quatre plus grands champions, hein, mais c'est vraiment Ayrton Senna, hein, qui était vraiment le meilleur ici. On se souvient d'une année où avec la McLaren en 92, eh bien, Nigel Mansell n'avait absolument rien pu faire. Et même si à Monaco, eh bien, la Williams était plus performante, hein, que la McLaren, eh bien, vous restez tour après tour, même s'il y a énormément de tours ici, 78 exactement, vous restez derrière votre adversaire sans pouvoir le dépasser. Seuls les arrêts à stand permettent ça. Et eh bien, c'est relativement très compliqué de calculer, et c'est vraiment le tour de sortie qui est très important. Et là on voit clairement, hein, que les Mercedes butent, hein, sur Sébastien Vettel. C'est compliqué parce que la Ferrari est quand même assez performante à certains moments, et je vous le dis, hein, la direction très mauvaise aussi. Et on voit, hein, que Bottas a vraiment été lâché par Rosberg, Massa également, Alonso, Hülkenberg, Perez, Maldonado, Verstappen, ça n'a pas bougé, ça va bouger bientôt au stand. Alors on a prévu ça entre le 9e et le 10e tour chez Pirelli. Une fenêtre d'arrêt vraiment très courte, parce que les pneus vont tomber en dégradation très rapidement, les super soft. Donc d'un tour à l'autre, ça peut être très compliqué. Ça sera ça, un tour trop tôt, soit un tour trop tard, ça c'est clair. Et après, donc, eh bien, ça sera les pneus soft à chaussée, qui eux aussi ont une durée de vie vraiment de 10 tours, donc très légère. Donc on a vraiment, c'est 50-50 sur ce Grand Prix, et les Mercedes ont bien mieux fonctionné, on l'a vu pendant les essais libres 1 et 2 avec les super soft en situation de course, d'où leur performance en ce début de tracé. Et c'était très important pour Mercedes de réaliser la pole, ils ne l'ont pas fait, et c'était également très important de réaliser un bon départ. Et c'est Vettel qui, pour l'instant, encore une fois, encore fait de la Ferrari, hein, vraiment, qui réalise un début de saison absolument parfait. Et je le disais, hein, le G27 sur la fin 2015, qui a vraiment ici atteint, c'était vraiment ses limites, hein, sur Monaco, où c'est un circuit qui est très étroit. Eh bien, le G27 a été tout simplement à la ramasse, beaucoup trop de jeu dans la direction. Et donc du coup, ce qui fait que 1 mm vous envoie la voiture dans le rail. Alors j'ai essayé un peu de rajouter de la saturation, mais après j'arrive plus à conduire. Je retrouve vraiment pas le feeling du G27 que j'avais dans les précédents Opus, pour essayer justement de rouler un peu plus fort. Et donc du coup, eh bien, ça me pénalise énormément. Alors qu'on revoit Fernando Alonso qui est 11e, et qui lui aussi, hein, encore une fois, s'est fait bien aspirer par Button, hein, qui est très loin devant. Alonso qui a un peu plus de mal, hein, avec cette McLaren nouvelle QV. Et Sainz, hein, non plus, hein, qui n'arrive pas à trouver vraiment la faille. Et bien sur son jeune coéquipier Max Verstappen, lui aussi, on va voir ce qui va se passer, qui va s'arrêter en premier et qui va bénéficier des arrêts au stand pour passer devant l'autre. Pour Verstappen, bien entendu, il est clair de ressortir devant malgré les arrêts au stand. L'insistance de Sainz, il a usé ses gommes, et donc du coup, eh bien, je pense que ça sera lui qui va s'arrêter en premier. Et incroyable de voir la Marussia suivre le rythme des deux Toro Rosso, alors qu'on revient avec nos pilotes de tête. Et Vettel qui s'est pris un tout petit peu d'air sur Lewis Hamilton, mais Hamilton a dû également relâcher pour préserver ses gommes. Et il y a forcément un pilote Mercedes qui va être pénalisé, ça c'est clair. Sachant que c'est soit Hamilton, soit Rosberg qui va s'arrêter dans ce tour. Et que le deuxième s'arrêtera au tour prochain, et c'est celui qui s'arrêtera donc en deuxième, qui aura clairement les clés de la victoire. Il suffira d'un tour très propre, très rapide. On voit que Vettel, encore une fois, s'est loupé ici, en bloquant ses roues. Il les bloque encore une fois ici. Et c'est soit Hamilton, soit Rosberg qui devra faire le tour parfait pour ressortir devant la Ferrari de Sébastien Vettel. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura absolument plus aucune chance pour le pilote Ferrari de repasser devant. Ce sera quasiment mission impossible. La chicane du port.
et je vous l'accorde, hein, ces traces de gomme qui suivent la Ferrari sont absolument horribles. Vous le voyez, hein, les jeux de direction, hein, de la Ferrari, toujours en train de rattraper, de contrebraquer, c'est assez pénible, hein. Justement, c'est le manque de retour de force, hein, qui fait ça, hein, sur ce G27. Et l'entrée au stand du leader est suivie de Lewis Hamilton, donc ça sera vraiment Lewis, hein, qui sera pénalisé. On va voir les arrêts, et là ça va être très important, hein. Ferrari qui se loupe pas, arrêt parfait, Lewis Hamilton aussi, on n'a vraiment pas perdu de temps du tout. Alors qu'on fait arrêter, eh bien, c'est Massa qui s'est arrêté, hein, derrière, donc. Et non pas Bottas et Kimi Raikkonen qui s'arrêtera donc un tour plus tard, c'est évident. Et donc c'est Massa qui s'est arrêté, pas Bottas. Donc Kimi Raikkonen ne repassera pas, et bien devant Valtteri Bottas. Erreur de la part de Ferrari, mais il fallait arrêter son leader. On va revoir l'arrêt au stand d'Hamilton qui s'est relativement très bien passé également. Magnifique vue arrière sur l'aileron de la Mercedes. Et bien là, ça va être très chaud. On va voir ce qui va se passer, si Vettel fait le tour parfait. Mais c'est cet homme qui a les clés en main, Nico Rosberg, une fois de plus, hein, omniprésent, comme la dernière fois en Espagne. Il a beaucoup de malchance, le pilote allemand, mais c'est lui l'attaquant de ce début de saison. On a l'impression qu'il peut faire plus que Lewis Hamilton avec la Mercedes. Il s'est un peu loupé en qualification hier. Voilà, chicane du port notamment. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va en advenir de cette course et où va ressortir Nico Rosberg. Allez, on va voir l'arrêt. Très bon arrêt de la part de Mercedes. Et on voit alors que là, c'est Bottas et Raikkonen, hein, qui rentrent. Donc stratégie inutile, hein, de la part de Ferrari. Et voilà, en plus, c'est Bottas qui ressort devant. Normal. Alors que là, eh bien, Rosberg va ressortir en tête de ce Grand Prix. Excellent tour, alors que c'est Sébastien Vettel qui arrive dans les rétroviseurs. On va les suivre. Et Rosberg qui a du mal à se relancer, encore une fois, hein, les gommes qui ne sont pas en température. Et c'est Sébastien Vettel qui clairement prend l'ascendant ici. Et permet encore une fois à Ferrari de reprendre la tête. Hallucinant ce qui s'est passé encore une fois ici avec Vettel et Rosberg. Une sortie au stand absolument loupée de la part de Mercedes. Alors que s'est-il passé? On a hâte de voir parce que Rosberg n'a pas réenclenché vraiment toute la puissance moteur rapidement comme il aurait dû le faire. On a senti un peu d'hésitation alors qu'on est à bord avec Sébastien Vettel qui lui maîtrise parfaitement et il arrive en force. Les pneus sont en température et on voit Rosberg, hein, justement qui est un peu à l'agonie ici, il est au ralenti presque. Les hommes roue en roue, c'est chaud et c'est Vettel, hein, bien entendu, avec les pneus vraiment en température qui reprend le meilleur ici au casino. Et on va voir ce qui s'est passé à bord de la voiture de Rosberg. Qu'est-ce qu'il fait le pilote allemand? Ah, il trifouille son volant, on a l'impression qu'il cherche la map essence. Et oui, justement, c'est ce qui lui coûte la tête, hein. Incroyable ce qui s'est passé là encore une fois avec Nico Rosberg. On ne sait pas trop ce qu'il cherche là, le pilote allemand, sur son volant. Si c'est pour le mélange riche ou pauvre, ou si c'est pour changer de on sait que ces volants ont énormément de fonctions. Surtout sur ces nouvelles voitures hybrides qui demandent énormément de changements de volant tout au long du tour. Et on sait que Monaco est un circuit très exigeant. Et là, c'est Sébastien Vettel qui a pris l'ascendant sur Nico Rosberg. Avec, bien entendu, plus d'air. Et c'est Hamilton, le grand perdant, on le disait, hein, qui est passé donc bien à la troisième place. Et Vettel qui s'envole. On l'a vu, hein, souvent, Ferrari, qui a d'excellents seconds relais. Avec donc ses pneus soft, pneus à flanc jaune. On l'a vu en Chine, où bien les Mercedes se sont écroulés au fil des tours. On l'a vu à Bahreïn également, où elles affichaient de très grosses performances en début de relais, en début de course. Et puis au fil du deuxième arrêt, eh bien plus personne. Et revoilà Ferrari. Le scénario se répète visiblement. Et nous sommes, eh bien, au 12e des 20 tours. Et Vettel va en finir. Et l'avance qui se creuse avec Nico Rosberg. 4
secondes 7 d'avance. Valtteri Bottas relégué à 9 secondes 7 et là les écarts qui se sont vraiment qui ont été très importants. Et c'est Ricciardo qui a réussi à prendre l'avantage sur Massa. Maldonado aussi qui a fait une super entrée au stand. Et on retrouve Sainz, Sky, Kiat, Will Stevens, Marcus Ericsson et Roberto Meri en fond de classement. Et le rythme imposé vraiment par les deux Mercedes et Sébastien Vettel est absolument hallucinant. Hein. Cette seconde partie de course, vraiment après les arrêts au stand, il y a un vide absolument énorme qui s'est creusé. Et nous sommes à bord avec la voiture hein, bien de celui oui, qui a perdu au jeu des arrêts. Il était clair qu'une des deux Mercedes allait perdre. Eh bien, c'est Hamilton qui a été sacrifié en rentrant en même temps que Vettel. Il savait, le pilote anglais, il n'avait pas plus de tours. On ne pouvait pas aller jusqu'au 11e. C'était entre le 9e et le 10e. Après, on aurait eu une chute de performance trop importante. On serait ressorti peut-être un peu plus loin. Et donc, eh bien, c'est Rosberg hein, qui a fait la belle affaire. On pensait qu'il allait ressortir devant Vettel au stand. Et puis cette petite manipulation du volant lui a coûté très cher. Et Vettel, qui a un boulevard maintenant devant lui, plus aucune Mercedes derrière, c'est absolument incroyable. Mercedes qui a été vraiment dans la boîte de vitesse de Vettel pendant toute la première partie de course. Et qui là, c'est encore une fois, hein, les performances avec ses pneus soft hein, sont vraiment pas bénéfiques du tout pour Mercedes. On l'a vu tout le long du week-end hein, avec des pneus super soft qui convenaient parfaitement à la voiture. Et c'était vraiment la première partie de Grand Prix qui les intéressait. Et bien évidemment, ça n'a pas payé. Et on le voit, un Rosberg qui recule de tour en tour. A même se poser la question si Hamilton ne serait pas plus rapide pour revenir sur Sébastien Vettel. Et revenir, c'est une chose, bien entendu. Mais doubler en est une autre ici à Monaco, on sait. C'est quasiment mission impossible. Une Ferrari absolument incroyable hein, en ce début de saison, sur cette sixième course. C'est absolument hallucinant pour une voiture qui a évolué radicalement de 2014, où elle était au fond du trou, à 2015. Et Ferrari qui compte utiliser quelques jetons pour Silverstone. On sait que le châssis est performant, l'aéro aussi, mais ils ont un problème moteur, encore une fois, un déficit par rapport à Mercedes, qui jouit vraiment du meilleur moteur du plateau. Et les deux Finlandais, encore une fois, qui sont l'un dans l'autre. Et Bottas, qui ne lâche absolument rien. C'est quasiment impossible à doubler ici. Il faudrait un assaut absolument kamikaze de la part de Kimi Raikkonen pour retourner chercher cette quatrième place. Alors que c'est Marcus Ericsson, Felipe Nasser qui attaque Jenson Button ici. DRS ouvert, plus de puissance avec le moteur Ferrari. À deux de front, dans Sandevoet. Ouh, c'est chaud, ça passe très près du rail. On va revoir ce qui s'est passé avec Felipe Nasser en caméra embarquée. Et il n'a rien lâché le pilote brésilien. Première saison de la F1, il a été très impressionnant. Et il est passé très près ici. Magnifique manœuvre. Et le leader qui va finir avec le 15e tour. Ah, alors qu'on apprend que... Eh bien oui, c'est une pénalité. Pénalité pour Sébastien Vettel pour avoir coupé, eh bien a priori, la chicane du port. On va en savoir plus, mais c'est 3 secondes donc, qui seront répercutées à la fin du Grand Prix pour lui. Pas de drive-thru, bien entendu. Mais pour l'instant... Eh bien, il est à l'abri, à 1 seconde 3, donc à l'abri de Nico Rosberg. Va falloir gérer de la part de Ferrari ici. Et si Nico Rosberg revient à moins de 3 secondes, eh bien, ça sera la victoire hein, offerte à Mercedes. Erreur bête, clairement, de Sébastien Vettel, qui a donc coupé la chicane du port, a priori. On n'aura pas les images. Mais a priori, c'était donc dans le tour 15. Les juges ont dû penser que c'était pour gagner du temps et il ne l'a pas relaissé ce temps. Alors là, ça va être une fin de course absolument hallucinante parce qu'il va rester tout simplement 4 tours. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Mercedes ici, de l'état-major? Soit laisser passer Lewis Hamilton qui est plus rapide que Nico Rosberg sur la deuxième partie de course
pour revenir un maximum sur Sébastien Vettel, ou laisser Rosberg jouer son va-tout pour aller chercher la victoire. Ça va être très intéressant là, les derniers tours de course. S'il y a une chute de performance sur la Ferrari, notamment au niveau de l'usure des pneumatiques par exemple, ça peut être très intéressant de voir ce que Mercedes peut faire avec une auto en principe relativement plus performante, mais on le sait, on l'a répété, pas avec ses pneus soft, les pneus à flanc à bande jaune donc. Et pour l'instant, pas de consigne donnée à Nico Rosberg pour laisser passer Lewis Hamilton, alors qu'un drapeau bleu est agité. On va voir qui c'est en retardataire. Ah ben a priori oui, c'est Roberto Meri donc. Aïe, alors là ça va être intéressant parce que par où Vettel va passer pour doubler Roberto Meri, il n'y a pas trop de place ici. Ah, le pilote espagnol, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé toucher le rail et qui ne laisse toujours pas passer Sébastien Vettel, c'est hallucinant encore une fois. Et retardataire, il est allé se mettre dans le rail Roberto Meri. On va voir ce qui s'est passé, oh ben oui complètement. Et Sébastien Vettel manque encore une fois de percuter un retardataire. Et il a perdu énormément de temps dans la manœuvre, le pilote allemand. C'est absolument incroyable. On a vu encore ce qui s'est passé à Bahreïn. On l'a vu plusieurs fois, encore une fois en Espagne. Et puis là, eh bien voilà, c'est encore une fois, eh bien c'est Nico Rosberg. Comme on le disait, hein, c'est un élément extérieur donc, qui est venu jouer pour la course au titre. Pour la gagne hein, sur ce Grand Prix de Monaco, clairement. Puisque maintenant, eh bien, Nico Rosberg est revenu sur Sébastien Vettel. Et j'ai l'impression qu'il a moins de 3 secondes. On n'a encore pas les temps qui sont affichés. Et voilà, ça y est. Et puis même, Vettel serait 3e. Alors là, c'est absolument incroyable. Puisque Lewis Hamilton récupérait la 2e place. Hein, puisque les deux pilotes Mercedes qui sont à moins de 3 secondes de Sébastien Vettel. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe ici. Et c'est vraiment 2 derniers tours qui vont être incroyables. Parce que là, on a demandé à Sébastien Vettel, bien entendu, d'hausser le rythme. Pour bien entendu retrouver les 3 secondes qui le séparent de Nico Rosberg. Il en est capable le pilote allemand, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a d'autres retardataires, notamment Marcus Ericsson, qui commence à pointer le bout de sa boîte de vitesse devant Sébastien Vettel. Alors là c'est une situation absolument incroyable car Mercedes avait clairement compris que c'était fini, la course était terminée, et puis cette pénalité qui tombe pile au bon moment presque, et derrière, eh bien, c'est Roberto Meri, qui lui aussi joue vraiment les arbitres, le juge de paix de cette course. Il a failli carrément mettre Sébastien Vettel en l'air, il aurait pu, il n'y avait personne, hein, il était carrément plus dans la course, il est absolument tout seul, en fond de classement, il aurait pu se rabattre avant le tabac pour laisser passer Vettel, mais il n'en a pas démenti, il n'en a pas voulu. Et donc du coup, eh bien, il allait percuter le rail et se rabattre sur Sébastien Vettel. Ça a failli être encore une fois fatal comme à Bahreïn. Et Vettel qui est à l'attaque, bien entendu, on le comprend. Mais Nico Rosberg qui ne lâche absolument rien et qui est derrière. Il restera donc plus qu'un tour et demi à Sébastien Vettel pour faire la différence. Mais ça semble super compliqué. Et finalement, cette victoire donc, qui va revenir à Nico Rosberg. Et une fois de plus, hein, sur une erreur bête, eh bien Ferrari va perdre. Ils ont gagné à Bahreïn, mais pas par l'intermédiaire de Sébastien Vettel. Et le doublé était carrément à portée. Eh bien, Sébastien Vettel qui a percuté Sergio Pérez. Eh bien, on a fait les frais avec une 6e place. Et là, c'est Marcus Ericsson. Alors là, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors que là, Vettel récupérerait donc sa 2e place. Hein. Il lui reste que 200 centièmes à récupérer dans ce dernier tour. Mais voilà que c'est compliqué parce que Marcus Ericsson va bien entendu sûrement le retarder. Et c'est très compliqué à doubler les retardataires également ici. Marcus Ericsson ne va rien laisser à Sébastien Vettel. Et en plus de ça, Vettel ne peut pas rester derrière également à attendre. Il est obligé de gagner les 200 centièmes qui lui manquent. Et bien donc ça va être très compliqué. Un dernier tour sous très haute tension ici. Hein, sur Monaco, on dit souvent, c'est vrai, que c'est une course magnifique mais où il ne se passe pas grand chose. Et bien là, on a cru que cette fin de Grand Prix allait être très terne, et puis finalement elle est animée avec cette pénalité de 3 secondes qui peut tout changer à la victoire finale. Alors là, Vettel, est-ce qu'il va être bien placé pour prendre le meilleur sur Marcus Ericsson? Et non, hein, pas dans la sortie du tunnel. Les drapeaux bleus qui sont agités, et Vettel qui a pris du temps hein, sur Nico Rosberg. Et Mercedes qui n'arrive pas à revenir ici, et Vettel non plus qui n'arrive pas à revenir. Oh c'est chaud, hein. Encore une fois il va devoir doubler Marcus Ericsson. Aïe, et contact! Oh là là, incroyable! Contact entre Marcus Ericsson et Sébastien Vettel.
Il tire tout droit le pilote allemand. Et oui, aileron avant brisé. C'est absolument hallucinant ce qui se passe ici, encore une fois au même endroit hein, que tout à l'heure avec Roberto Merhi. Et oui, il tire tout droit. Plus d'aileron avant, plus d'appui. Et bien voilà, cette course donc qui va se terminer encore une fois bêtement hein, pour la Scuderia Ferrari et Nico Rosberg qui... On va voir hein, les temps hein, bien entendu, mais ça semble très compliqué. Et Vettel qui réussit à garder sa victoire. Et oui, 200 centièmes d'avance, c'était très chaud sur la fin. On a vraiment cru vraiment à une victoire Mercedes. Et donc, eh bien, tout va bien. Lewis Hamilton, 3e, 4e Bottas, 5e, eh bien, Kimi Raikkonen. Voilà pour le top 5. Le championnat du monde, Vettel, toujours en tête. Raikkonen, Hamilton, Bottas, Rosberg qui récupère la 5e place à Ricciardo. Voilà pour le top 5, Romain Grosjean qui préserve hein, sa 9e place. Et la Scuderia Ferrari bien installée en tête devant Mercedes, Williams, Red Bull et Honda. Donc voilà pour ce Grand Prix de Monaco, absolument palpitant bien jusqu'au dernier tour. Et victoire une nouvelle fois de Ferrari. Et alors que le prince Albert aurait de nouveau des cheveux, assez étrange. Et bien donc, moi je vous dis à dans 2 semaines donc, pour la prochaine course. La semaine prochaine il y aura du Forza 6. On va faire un peu de décalé parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et je vous conseille de regarder donc la chaîne de Seb1533, un nouveau youtubeur qui se lance dans la simulation racing. Voilà, allez, je vous dis salut à tous.